Beckmann. Beckmann. Oh, tas de morts dégueulasses. Il va falloir que je m'en charge moi-même. J'appelle Ray. Tu m'entends? Beckmann? Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu! Il est juste en face de moi, là. Il me regarde tranquillement. Ça ressemble aux enzymes gloutons, hein? Fais gaffe, il pourrait t'entendre. Surtout ne bouge pas! Il ne te fera aucun mal! Ah! Ah! Beckmann! Beckmann! C'est moi! Beckmann, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de cassé? Il m'a tout englué. Oh, c'est génial! Contact physique authentique! Et tu peux te relever? Ray! Ray! À toi, Ray! Oh, est-ce que je me sens poisseux? C'est pas clair? Je suis avec Beckmann. Oh! Il s'est fait tout engluer. Super! Garde-moi un échantillon. Rapide-toi ici tout de suite. Il vient d'entrer dans la salle de bal. D'accord, mon vieux, on arrive! Monsieur le directeur, sortez de cette pièce avec le personnel. Nous nous occupons de tout. Au plafond! Il est là-haut! C'est le salaud qui m'a tout englué. C'est moi. C'est ma faute. Mais ça fait rien, la table a amorti la chute. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Inversion complète de la charge des protons. Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Egon. Allons-y. Ray, cours à gauche. Egon, toi à droite. Bon, à toi de faire, Ray. Tu shootes la chandelle et la loge au fond. Allez! Egon! Ray, ça va, ça va, ça va! Beaucoup de fusils, fiston. Comptez sur nous, madame Van Houten. Aucun problème, la salle de réception va être prête à recevoir vos invités dès qu'ils arriveront. La dernière giclée, elle a un peu sonné, mais il va se débiner. Allez, faites-moi un peu de place pour poser le piège. Pif, pif. Veuillez m'excuser, je vous prie. Il faut faire de la place. Attends, 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 attends. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il n'y a pas une fleur qui a bougé. Bon, à mon signal, Spengler, tu me balances une bonne giclée capturante, ok? Vas-y. Bloque-le, il va bouger. Bloque-le. Beckmann. Amène-le le long du mur, tu le tiens cette fois, ne croisez pas les effluves. Ah, tu réfléchiras avant de tout engluer un mec qui a un positronneur désintégrant, hein, mon salaud? Beckmann, raccourcis ton rayon, merde, je peux pas avoir la gueule calcinée. Bon, maintenant je vais ouvrir le piège. Attention les yeux, ne regardez pas. Stan, je lui ai écarté le piège. Vous coupez vos lasers dès que je l'aurai refermé. Vous êtes prêts? Attention! Maintenant! Ah.
Il est dedans. Ah. Eh ben, c'était pas si difficile, finalement. Monsieur Smith, vite, ouvrez cette porte, immédiatement. Donald, restez là. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des petits... Nous avions affaire à ce que nous appelons dans notre jargon un concentré de chimères, apparitions répétitives ou à un corps astral flottant du type 5. Autrement dit, un sacré vicelard. Bon, maintenant... Venons-en aux choses sérieuses. Capture de l'ectoplasme, ça va être chaud, je ne vous le cache pas. Nous vous demandons 4 000 $. Mais par contre, nous sommes en pleine semaine de promotion sur les recharges de protons et le stockage du monstre. Alors de ce côté-là, ça ne vous fera que 1 000 $ seulement. 5 000 $, dites-vous. J'étais loin d'envisager une somme pareille et je ne paie pas. Mais tant pis, dans ce cas, on va le relâcher, c'est tout, Raymond. Bien sûr, tout de suite, professeur McMahon. Non, c'est entendu. Tout ce que vous voudrez. Merci beaucoup. À votre Merci. Service. J'espère que vous ferez de nouveau appel à nous. Laissez passer le corps astral du type 5, dégagez.